Claude, est-ce que tu peux aller demander un petit commentaire à Madame Normando avant qu'elle embarque dans le police? Madame Normando, un petit mot pour Info 690. Luigi Vincentore. Mon adresse, c'est la rue Gentalone. Profession, c'est paraître sur les boîtes à pizza. Je suis au poste de police parce que je me suis fait poigner une enveloppe brune du Parti libéral que j'avais mis dans la pizza pour la dissimuler pour envoyer un député libéral. Vous voulez savoir la commande de ministre Barrette? Non, mais je peux pas. Par le secret professionnel, là, si j'ai pas Barrette, ça va me fermer trois de mes restaurants. C'est un trou noir de pizza. Quand tu fais une livraison, il n'y a personne d'autre que le ministre Barrette en bobette. À l'endroit de la livraison, il n'y a pas d'autre invité, il n'y a personne dans la maison, là. Il va tout manger. Je me mets à la table. Vous voulez savoir la commande du ministre Barrette? Vous êtes sûr que vous voulez que je vous le dise? Il a commandé. Il y avait du prosciutto, il y avait de la soppressetta, il y avait de la pancetta, il y avait du salami de Genoa, il y avait la pizza extra madre. J'ai perdu deux livreurs, là. Il allait livrer là, puis... n'a pu. Bonjour, ici Info 690 et je vais interviewer Maître Lachance au sujet du rapport de la commission Charbonneau. On vient de perdre encore Maître Lachance. Nous avons quelques questions à vous poser pour Info 690. Info 690 a des questions à vous poser, des questions précises. L'équipe d'Info 690 a localisé Maître Lachance. Vous le voyez sur le moniteur ici. Maître Lachance ne nous entend pas, mais il va nous entendre. Nous allons faire un appel général dans tout le bâtiment. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Maître Lachance est demandé à la réception. Maître Lachance, je vous surprends. On vient encore de perdre Maître Lachance. Monsieur le Président, ma déclaration pour la ministre, la condition féminine, l'hystériose. La hystériose, prononce-toi, t'es-tu féministe, oui ou non? Ici Info 690, nous sommes présentement dans un restaurant complètement vide où j'ai donné rendez-vous à Monsieur Sergakis. Aucun client, monsieur Sergakis, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je ne sais pas, la récession, l'austérité, les Canadiens ont éliminé, les Canadiens ne feront pas les séries cette année, là. Vous vous fiez sur une équipe de sport professionnel pour mousser vos ventes. Ben là, pas juste ça aussi, moi j'étais curé que le gouvernement couillard dise tout le temps, ça va bien, puis ça va pas bien pantoute, ils sont en train de faire faillite. Pour qui avez-vous voté, monsieur Sergakis? La banane. Eh bien maintenant, mangez vos bas et dégustez votre œuvre. Il y a des terres à terre, puis il y a des granites à granites. La loi vient d'être adoptée à la majorité que chaque voleur arrêté au Québec se fait couper la main droite.